Donc il n'y aura pas de soucis, ce sera une excellente raid de Donkey Kong Country. Et donc tout de suite, donc Sonic Boom, je vais te laisser commenter ça avec Capoué. En attendant, je vais quand même faire la transition avec toi du coup. Bonjour. Capoué est Bonjour là, Capoué. bienvenue à toi. Bonjour, bonjour, On va ça juste va? Oh, attendre cette que le petite voix stream douce, ça me fait américain se toujours en émoi. relance. Je ne sais pas s'il y en a qui ont suivi ce que disaient les Américains par rapport à la pause qu'ils faisaient, combien de temps ça durait. J'espère que ça ne dure pas trop longtemps. Je ne sais pas, mais en tout cas, je reste en veille. Hein, voilà, Voilà, voilà. Bah on espère que ça ne sera pas trop tard, hein, pas trop long. Écoute, Et nous voilà. verrons bien. Et du coup, bah moi je vais me muter, entre guillemets, je vais vous laisser Et du coup, bah, commencer. Je je pense me que casse. vous pouvez commencer à discuter un peu, Merci, à présenter. merci. Vous pouvez commencer un peu à présenter le jeu, tout ça. Ah bah non, si on fait ça, on n'aura Bah plus rien à écoute, dire. écoute, C'est j'aurais l'heure de envie, la je sais clope. pas, je sais pas si c'est possible, si on peut faire une pub maintenant, parce qu'on va faire Ah le fameux oui. débloque Adblock, puisque comme chaque année, comme à chaque marathon, comme à Merde. chaque événement, tous les bénéfices de la pub générée sont reversés à chaque fois à l'association. Donc, est-ce qu'on peut faire une petite page de pub assez courte et nous prévenir quand ça reviendra? Alors, c'est compliqué. Bah, je pense. Je vais regarder. Je me coupe. Je vais me muter et je vais essayer de mettre de la pub. D'accord, merci bien. Je vais me muter. D'accord. Oui, la pub Ouais, Pampers et j'aime tout ça. ça, mais tout ça, c'est pour la bonne cause, hein. Faut Tout pas à vous fait, tout à inquiéter, fait. tout va bien. Hein, Ça va, on les... m'entend bien? Je veux savoir si je dois monter encore un peu le son du micro ou Non, on pas. t'entend très bien, Capo, et ta petite voix D'accord, douce merci. nous habite. S'il te plaît, pas tout de suite. Pas de ça entre nous. C'est Non, mais demandez 22h30 à à peu les près autres qu'on sur peut Skype commencer hein, à pour dire voir. Oui, des c'est vrai. Bon, allez, cochonneries. encore, Avant, il y a encore, tu encore. sais, le CSA, la censure, tout ça, il y a Tout encore à des fait, tout à jeunes. fait. Bref. Peggy iTunes. Ah, j'ai les logs. Donc, je mets à combien de publicités? Alors, comment est-ce qu'on refresh ce truc? Ben, ça sert à rien parce 60 que de toute façon, secondes ça pour marche pas. l'initiation. Hein, Ah voilà. oui, non, oui, donc il faut qu'on attende que À le peu près stream qu'on peut recommence, de commencer toute à façon, tout va regarder. bien. Ah, c'est Voilà, bon, voilà. pas de Ah, panique, encore. tout va Allô? bien. Oui, allô, Oula! bonjour. Oui, Alors, ça y est, tu je vais m'entends, mettre de tu la m'entends pub. bien. J'ai trouvé comment D'accord. mettre la pub. Ah, iTunes. Donc Magnifique. voilà. Super. Donc on se retrouve dans 60 secondes Alors, normalement. comment est-ce qu'on refresh ce truc? Voilà, Bah, ça 60 s'est secondes, lancé. La voilà, pub est ça lancée. y La pub est est. lancée. Ah oui, non, donc il Ah, faut qu'on attende que c'est parti. la pub! Voilà. Ouais, la Oh, ça arrive juste après pub! ça, on fait Oula! autant de pubs que sur TF1. Ouais! Ouais! Il est où, Les karaté? couches! Donc voilà. Donc Les on couches se retrouve normalement. Pampers! Alors, pour ceux qui nous entendent encore, Bah sachez c'est que vous que êtes pas bien, c'est le, ça qui est l'argent des problématique, pubs c'est pas bien. est C'est que vous avez important laissé car il est Adblock. reversé, il nous servira justement à faire le gros don que À la Gaming fin Live du fera. marathon, c'est très Donc, très très désactivez important. Adblock évidemment. Hein. C'est le don Hashtag de tous désactivez les Adblock. streamers réunis, tous les casters, tous Hein? ceux qui commentent, etc. C'est Alors, vraiment le pour gros ceux gros qui nous don. entendent encore. Voilà, hein, touche pas à ma pub. Ah, on m'indique des grosses, grosses, grosses strates. Alors attention. Alors il y a une strate pour activer Adblock, mais quand même le désactiver. C'est-à-dire que vous ouvrez deux navigateurs. Un navigateur pour regarder sur lequel vous activez Adblock. Et un deuxième navigateur que vous mutez, mais sur lequel vous désactivez Adblock. Et sur lequel toutes les pubs passeront, mais... Ce sera muté, donc vous n'en aurez rien à foutre. Mais les pubs seront lancées sur votre ordinateur tout en ayant l'avantage que vous n'ayez pas les pubs sur votre affichage à vous. Voilà, c'est Mais la double navigateur strat par BIF. tu peux également désactiver Adblock Sponsorisé uniquement par sur une BIF. page Voilà. définie. Tu peux également Voilà, désactiver c'est juste Adblock ça sur une aussi. page définie. Alors, moi j'ai la Alors iPad c'est. strat. Alors la iPad strat. Si vous relancez le stream, si vous éteignez le stream sur votre iPad et que vous Voilà, c'est la relancez le double stream, vous navigateur aurez la strat. pub Dur. pendant le temps de la pub qui a été lancée. Voilà. Ah bah attends, je vais faire ça sur mon Android. À ton Android. Je fais ça Alors, sur je tiens à mon dire, il n'y a Android. pas d'écho, ça vient en fait du retour de chez Mister MV, parce que moi, j'ai pas du tout d'écho pour Ah le coup. zut, il y a de l'écho là. Je n'ai pas d'écho non Ouais. plus. Donc en fait, Euh, je suppose est-ce que c'est que quand il ne c'est parle pas sur qu'on le n'entend pas stream le qu'il y a de retour. l'écho? C'est sur le stream qu'il y a de l'écho. En fait, c'est lorsque l'on parle trop fort, ça résonne chez bébé, ça résonne chez MV, D'accord, alors ça on va résonne éviter chez de vous dans la parler trop cave. trop fort. Ah mais non, c'est moi. Ah non, mais c'est moi. Ah non, mais je suis complètement Voilà. débile. Je suis complètement débile. J'avais activé, quand j'étais sur le dashboard pour la pub, j'avais activé le stream français. Donc du coup, évidemment, on s'entendait. Non, mais c'était infâme, je suis désolé. Donc c'est bon, tout va bien. Tout va bien, les enfants, je suis désolé. Voilà, c'est bon, ça Écho! va mieux. Écho, tocard! Sac! S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est bon, je Voilà. pense qu'en fait tu peux lancer la pub parce que depuis tout à l'heure ils attendent la pub pour faire leur bonne Voilà, c'est action. ça. Voilà, Tout va je peux bien, faire je suis plaisir. désolé. C'est ça. Je suis désolé.
S'il vous plaît, Je vais respectez les renvoyer mères. une 60 voilà, secondes de publicité. Voilà, plein de Respectons les mamans. publicités. On fait des vagues. Respectons les mamans. Allez. On fait des vagues. Moi, je vais en profiter pour aller manger mon petit sandwich. Ah, je sais très bien faire la vague, mais ça se voit pas. Je me mute, je C'est-à-dire reviens. que tu peux le faire, mais ça sera moins swag, Bah, quoi. c'est ça. Bah, je peux faire la vague, hein. Regarde, je fais ça avec mes bras. Hop, hop, hop. Voilà. Ah voilà, tu sais quoi? Eh ben ça se sent, tu vois, ça se sent que tu as fait une Ça belle se vague. sent. Ça sent la qualité. Voilà, c'est parti apparemment. Ah bah on attend toujours la pub. Ah non, c'est bon, Batman, ça y est, ça commence. La pub commence, magnifique. Donc, si vous continuez à nous entendre, c'est pas normal. Quelqu'un rigole lorsqu'il entend que je sais faire la vague, mais aussi l'hélicoptère. Oui, mais Dès qu'il sait qu'il n'entend pas la pub. on l'a Voilà. déjà dit, voilà, Voilà. C'est pas qu'il n'y a pas avant de pub. 22h30, avant de commencer quelques Donc, petites saloperies. voilà. Si quelqu'un a entendu ma blague, eh ben dommage. C'est qu'il Voilà. sait qu'il a Adblock. Donc c'est pas bien. Voilà. Là, vous voulez que je vous dise, alors je vais, et honnêtement, c'est honnêtement pendant que c'est la pub, je n'ai quasiment pas bossé. Parce que Kawa, il m'a prévenu ce matin, est-ce que tu peux venir m'aider? Parce que là, c'est atroce. Je n'aime pas ce jeu. Non, Alors pas de pub. non, Comment? Alors d'accord. Bon, bah écoutez. je n'ai pas dit je n'aime pas Non, c'est pas vrai. C'est-à-dire que ce le jeu, jeu. c'est un J'ai petit dit peu ce jeu est le... une... C'est une purge, on va dire. Ah non, alors on a dit pas de critique sur les jeux Ah que oui, l'on non, c'est vrai. regarde. Pardon, c'est vrai. Il faut respecter les jeux que nous Non, c'est commentons. vrai. Non, c'est vrai. En plus, pour avoir vu le jeu est super beau. Et en plus, il me fait envie. Sans... Non, en plus, c'est vrai. C'est pas des conneries. C'est juste que le speedrun, c'est franchement. Mon Dieu. Je sais pas, il y a pas de mots pour commenter C'est ce. super dur à commenter. Donc voilà. Je tiens à dire, j'ai pas tellement Voilà. bossé. J'ai dit à C'est tout. Kawaii, prévois toutes les strates. Tout. Moi je suis Toutes là les pour strates. meubler. Moi je suis là pour meubler derrière si t'es dans la merde. Combien de pain as-tu mangé dans ta vie? Je ne sais pas. Beaucoup. Bah, Sega s'excuse d'avoir fait de la merde. Bah, je C'est vrai, pense j'ai lu pas ça, de je sais critique sur les plus gens où. handicapés. C'est vrai, on ne Je sais tire pas plus sur où les qu'ils ont dit, ambulances. s'excuser, ils pensaient avoir trahi la confiance des joueurs et qu'ils essayaient de recommencer. Bien le. C'est bon, on vous entend pas grâce aux pubs. À la voix française de Cypher dans Matrix. Sans déconner. C'est Bah, vrai? oui, c'est vrai, on dirait un peu ça. C'est Vas-y, vrai? parle-moi encore, D'accord. Capoué. Utilise la force, Neo. J'ai mélangé Star Wars et Non, on avait Matrix, dit c'est Matrix, magnifique. merde. Alors donc voilà, vous vous rendez compte que ça va être pendant l'heure du non-respect, comme on Voilà, dit. tout à fait. Ça va être... Enfin, l'heure. J'espère que ça va pas durer 1 heure quand même, parce que Non, 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 sinon... non, 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 l'estimate était esti c'est fait à 50 minutes, donc on va vraiment Voilà. espérer. Moins. Voilà. On va On vraiment va espérer moins. beaucoup espérer moins. On verra bien. Alors, là, il fait un saut infini, là, il passe dans le décor. Là, il appuie sur pause. Là, il appuie Eh bien, sur vous pause. savez quoi? Là, il C'est appuie sur pause. exactement ce qui va se passer. Voilà. Mais Voilà véridique, hein. ce qui va se passer. C'est magnifique. Voilà. Oh merde. Je me recouche, j'entends non-respect. Bienvenue. C'est Bienvenue. exactement Voilà. ça. Vous êtes bel et bien là où il fallait. C'est bien. Alors du coup, du coup, puisqu'on a on était depuis tout à l'heure, on attendait, mais tu es l'élu Anakin. Prends cette pilule rouge. Ah Bravo, non, non, sans non, non, déconner, ne meurs j'adore pas cette tout de vanne. suite. Non, 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 ça va aller. Alors du coup, comme on n'a plus le stream en attendant, il y aura Jedi qui arrive et Monsieur Monsieur Spock. Spock. Vous voyez, je pense que pendant cette heure, on va tous s'amuser à faire des mash-ups. C'est Voilà, absolument c'est ça. fantastique. Voilà. Non, ça n'a pas coupé. Ça n'a pas coupé, c'est tout simplement parce que le stream officiel, attendez, je coupe mon ventilo, fait une pause pour faire tout son setup, etc., pouvoir changer les consoles, etc. Bref, non, il faut Ça. attendre, c'est ce qu'on appelle de l'IKEA strat, c'est-à-dire il faut meubler. Je suis Ah ton père, Kirikou. ouais. C'est dégueulasse. Oh mince! Alors du coup, attendez, parce que depuis tout à l'heure, je voulais faire un truc sur tout ce qu'il faut, et voilà, j'étais en train de dire qu'on allait faire un point sur les donations. On est quand même à 32 682 dollars et 8 centimes.
Je ne sais pas qui a donné ces 8... Je sais pas qui a donné ces 8 centimes, mais c'est un génie. Je sais pas, c'est peut-être voilà. Une mauvaise conversion euro-dollar. Je ne sais pas. Non. Pour l'instant, on a une. Pour l'instant, pour tout vous dire, la plus grosse donation a été établie à 5000 dollars. Cours, cours. Pardon. Excuse-moi. Non, mais c'est génial. Sans déconner, je pense qu'on a trouvé la meilleure idée du siècle. Tu Tweetez vos meilleures vannes avec. Ah, ça redémarre. Oh non, ça redémarre pas. Non. Oh, j'ai déjà un point sur les donations. Le plus gros est à 5000. C'est vrai. On est reparti, attention, 32 732 $. Magnifique. Ah, Sonic Boom. Alors attention, je vais demander quelque chose d'exceptionnel. Parce que pour ceux qui nous connaissent, en tout cas, Kawaii et moi, il n'y a pas longtemps, nous avons fait l'ESA 2004. Il m'a hurlé de rire, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce qu'il a fait un accent français des années 1920. Et j'exagère pas, hein. Vraiment. Ah, oui. C'est reparti encore. Avec la traduction de Crash Mind Over Mutant. Ce jeu absolument de l'amour, de Crash Bandicoot, tout ça. Tout à fait. Et Kawaii nous a sorti, on ne sait pas pourquoi. Hein, est-ce que tu peux me le faire? Juste pour moi, tu peux me le faire. Rappelle-moi ce que c'était. C'était Crash Mutant Crash, Mode, Crash, c'est ça? Crash Génération Mutant. Ah oui, c'était Crash Génération Mutant. Voilà. Voilà. Absolument atroce, moi ça m'a fait rire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et donc nous allons jouer à Sonic Boom, l'ascension de l'Iré. X. Il m'a prévenu ce matin qu'il avait prévu le truc, qu'ils étaient entraînés et tout. Alors là. Oh merde. Allez, c'est pas grave. Enfin, du coup, le stream est encore reparti. On attend, décidément. Voilà. Bon, ça fait pas rire tout le monde sur le stream, mais nous, ça nous fait c'est rire. Pas grave. Donc, c'est le plus important. Voilà. Si l'on rigole, toi et moi, moi, ça me va. Bon, bah écoute, moi aussi, ça me va. On attend, c'est toujours offline, et en attendant, l'heure passe. Et à partir de 22h30, eh bien, on va pouvoir commencer à dire des saloperies. Voilà. Donc, on a encore... Parce que, non, en plus, c'est vrai, c'est vraiment la loi. C'est vraiment... À partir de 22h30, normalement, le Peggy 10 est un peu activé, voilà, et on peut se permettre. On peut aller au-delà du moins de 16. C'est ça. Attention, on ne dira pas de très grosses bêtises. Non. Mais non. On va dire que la parole peut se libérer un peu plus. Tout à fait. Voilà. On est obligé. Crash est... Mind Over Mutants, le jeu qui a tué Crash, le jeu qui a tué aussi les commentateurs. Oui. Ah, on dirait que ça revient. Je vois un live, un loading video. Allez, fais-nous rêver. Alors, attends. Si, c'est bon, ça y est, ça marche. Ah. C'est bon, ça vient? C'est bon, 33 000, on a passé les 33 000 dollars, bravo à vous. N'hésite pas, hein, ouais. Toujours à 33 000 bourrer, et 7 dollars, bourrer oui, les à dons, à tout bourrer à les dons, parce que je ne sais même pas si vous l'avez dit pendant les 3 heures qui sont venues. Voilà, bourrons les dés. Bourrons les dés. Et le pire, c'est que je suis en train de dire des conneries. Mais ça marche tout le temps. Ça marche tout le temps. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ah. Alors. Comment ça, Nick? Sonic Boom Kappa. Alors là, vous allez avoir droit à un festival de pose play. Play. C'est sauts pas de du l'infini. Non, même pas. On va voir des trucs qui n'ont absolument aucun sens. Il va y avoir du. Honnêtement, je... Bah, c'est dur, en fait, à faire. Pour vous donner une petite idée quand même à quel point les gens n'aiment pas Sonic Boom. Pendant Yoshi's Island, il y avait quelque chose comme 100 000 viewers. À l'heure actuelle, il n'y en a plus que 10 000. Est-ce que vous vous rendez compte du truc ? Voilà. 90% de l'audience est barrée. Ah ça y est, c'est parti. Regardez, ils ont mis le compteur à zéro. C'est parti. Oula, attends. Ah oui, alors attends. Du coup, moi, ça buff. Ah, attends. On va passer alors, attends, en mode vas-y. High. Moi, je suis en médium, tu vois, ça suffit largement. Je suis quand même dans les là. Oui, de toute façon. Ah, ça y est, c'est parti. Le chrono est lancé. 1080p. On est parti. Oh, c'est sûr, c'est pas du 1080p. C'est parti pour le show. Alors, ce qui sera le plus long dans ces runs, c'est les temps de chargement. Oh putain, oui. Ça... Alors, moi, j'ai dit beaucoup que c'est vrai pendant le tour de ce match. Oh, c'est vrai. Voilà, donc le chrono est lancé et déjà 25 secondes de temps de chargement. Je suis à 24, donc ça va, on n'est pas à terme, non. Ouais, 27, 28, 29.
Ça va, il n'y a pas énormément de trucs. Voilà, voilà. Alors honnêtement, le début, je me suis dit, c'est pas possible, parce que je vous le dis, je ne connaissais pas du tout le jeu, sans déconner. Mm. Et c'est pas possible, ils nous ont fait un copier-coller du jeu sur le téléphone. C'est un peu ça. Sonic Rush. Et j'y joue en plus, j'adore ce jeu. C'est absolument atroce. Mais il faut savoir que graphiquement, c'est la même qualité. Alors, que se passe-t-il, Odile Nous sommes coursés par Robotnik qui essaye de nous poutrer la gueule à coups de missile. J'ai envie de dire, c'est le quotidien. Voilà, c'est ça. Alors, c'est quoi l'histoire? Écoute, le jeu débute avec une scène où on voit Sonic se faire tirer dessus par des robots, sous le regard impuissant de Tails, Amy et Knuckles. Flashback, retour en arrière d'un jour. Sonic et ses amis sont à la poursuite de Dr. Robotnik. Et là, c'est parti. Et de Metal Sonic. Alors vas-y, fais ton truc parce que... Non, vas-y, s'il y a déjà des glitches à expliquer. Alors, désolé, il y a quand même un super beau glitch qui vient de se passer. Premier glitch, en utilisant Sonic, lorsque Sonic saute sur un ennemi, ou sur une caisse, ou sur un objet solide, lorsque l'on appuie sur pause avant de rebondir, Sonic, s'élève dans les airs. Oui, voilà. On peut dire ça. Il fait un super saut et du coup, ça permet complètement de skipper, de passer toute une partie du niveau. Il fait ce qu'on appelle un OOB, un out of bounds. On est en dehors des limites du jeu, tel que cela est prévu. Deuxième glitch que l'on vient de voir, Sonic se met en mode spin dash, donc en mode bouboule. Et lorsque l'on met pause et qu'on lâche la pause, Sonic est propulsé vers l'avant. C'est comme s'il conservait sa vitesse cinétique et qu'il était projeté en avant. Oui, voilà. Voilà. Et donc, du coup, on vient déjà de passer le premier niveau. Mine de rien. C'est beau, hein. Mine de rien. Voilà. Et ça, il va y en avoir pendant environ 50 minutes. Voilà. Alors, en sachant que le record sur ce jeu s'établit à... 38 ou 32. Je crois même que c'est moins que ça, mon cher Capoué. Je l'ai vu tout à l'heure, et puis tu vois, je ne l'ai absolument pas retenu. Écoute, mon Dieu, j'ai eu la bonne idée de fermer la page sur laquelle j'avais... Non, j'y vais, regarde, je suis en train, Rise of Lyrics, l'ascension de la parole. 34 minutes et 11 secondes par Mi Dax. C'est une américaine qui a été faite il y a une semaine, je crois. Voilà. Oui, c'est ça, il y a une semaine. Et figure-toi, c'est Mi Dax qui joue. C'est Mi Dax qui joue? C'est fantastique! Alors, est-ce qu'on va tenter encore... World Record! Pas espéré. 50 Shine of Glitch. C'est un petit peu ce qui va se passer. Voilà, c'est un peu... Alors, un coup de chaîne, un coup de fouet. Ce combat se passe tout à fait normalement. Retenez bien ce que je vous dis. Ce combat se passe tout à fait normalement. C'est rare pour être signalé. Voilà. Donc là, on compte sur l'intelligence artificielle du jeu qui est toute crevée pour nous aider à pousser cette statue dans le décor. Donc, vu qu'évidemment, on ne compte pas sur eux, on va le faire nous-mêmes, c'est plus rapide. Je suis en train de... Bon, là, j'ai vu une super fan, je tiens à l'admettre. C'est le temps du record du monde, c'est 34 minutes et 11 secondes, sans le temps de chargement, 10 secondes. C'est une bonne blague, en effet. Bravo, j'avoue. Ah, je suis en mode médium, c'est dégueulasse ce que tu es en train de se passer. Ils sont pas du tout, ils sont pas nombreux, mais c'est pas la seule. Ils sont, bah évidemment, j'ai fermé la page maintenant que j'avais le chrono, il faut que je la rouvre. Non, ils sont 7. Ah oui, alors attention, encore particularité. Cette version, c'est la version 1.0. Tout à fait, parce que sachez qu'il y a eu des mises à jour de fait, etc. Voilà, parce que si vous avez acheté une Wii blanche qui contient 8 Go de mémoire. Sachez que le patch de ce jeu vous bouffe un tième de votre console, d'accord? Parce que le patch de ce jeu, c'est 1 giga, ok? Donc si vous patchez le jeu en version 1.1, vous éliminez beaucoup de glitchs du jeu. Ce qui est dommage, parce que du coup, il est moins drôle. Donc le patch du jeu fait 1 giga quand même, rendez-vous compte. Un peu beaucoup quand même. Voilà, après il y a eu des belles mises à jour, ils s'en fait plaisir. Voilà, et du coup on constate tout de suite les temps sont quelque peu différents, puisque on passe de la version 1.0 à 34 points.
Ah oui. Et là, 1.1, on est à 38.27. Vous voyez, on a quand même gagné 4 minutes de moins hein, en exploitation de bugs et compagnie. Ça va, honnêtement, ça va. Voilà. Et c'est legit. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Oui, alors le fauna, je faisais de l'ironie évidemment, donc en effet, le patch n'a strictement rien corrigé. Voilà, parce qu'on essaye, en fait, même nous, on essaye de chercher des choses que les développeurs n'ont pas fait. Mais enfin, bon, c'est pas grave. Hein. Alors, est-il vraiment utile de le préciser que la série animée revient exactement du même jeu? Si vous voyez oui. Knuckles avec des points en mode gros badass, un truc qui ne ressemble à rien, vous alors verrez là, on Knuckles on avec des gros points badass avec une voix de merde, comme dans quasiment tous les dessins animés Sonic. C'est le DC, c'est dommage, mais en faisant ça, vous skippez, allez, je dirais facilement une heure de jeu. Rien qu'en faisant au ça. Au moins. Et là, vous vous retrouvez encore une fois de plus en OB, out of bounds, en dehors des limites du jeu. Et vous voici déjà arrivé quasiment à la fin du niveau, une fois de plus. Voilà. Alors, ce jeu était censé... Alors, Sega a signé un accord avec Nintendo pour développer 3 jeux exclusivement sur les consoles Nintendo. Il s'agissait de Sonic et Knuckles, Sonic et Mario aux Jeux Olympiques. Sonic, celui sur 3DS... là dont le nom m'échappe, c'était Colors, je crois. Oui, oui. Donc, c'est pas 3DS, mais c'est pas grave. Ce Sonic représente donc le dernier jeu de la collaboration tueuse hein, entre Nintendo et Sega. Voilà, j'ai vu récemment un top 10 de Game Trailers, un site américain qui est pas mal, qui faisait le top 10 des licences qui auraient dû mourir. Et Sonic est arrivé en position numéro 2. Hein, en indiquant justement que ce jeu-là était le jeu de trop. Voilà. Et je confirme. Bizarrement, ils auraient vraiment pas dû faire un truc comme ça. Moi qui suis absolument fan absolu de la licence Sonic, etc., je dois avouer que j'ai un petit peu décroché depuis qu'ils ont sorti les versions DS, 3DS. Encore le concept Mario, Sonic aux Olympiques, c'est un peu cool, mais arrêtez là. Donc, reprenons l'histoire, parce que l'histoire est importante. Parce que depuis tout à l'heure, on a des glitches, on essaye de vous expliquer, mais on pense pas à l'histoire. Mais c'est qu'on pense pas à l'histoire, quoi. Donc, mais une course-poursuite, Sonic et Tails se retrouvent piégés par Dr. Robotnik et séparés de Knuckles et Amy. Ce qui va se passer très prochainement, d'ailleurs, parce que là, en fait, on va se retrouver complètement séparés. Il faut savoir que, pendant tout le jeu, on peut jouer les 4 personnages indépendamment. Sonic, Knuckles, Tails et Amy. Amy qui est un personnage que je ne connaissais pas, qui est apparu récemment, je crois, dans la série. Voilà. Donc, bon, le chat peut me tuer parce que moi, franchement, la licence Sonic, je me suis arrêté au 3 en fait. Donc, vous voyez, je suis pas allé très très loin. Non, avec, mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Hein. J'ai fait que les meilleurs, je pense. Alors là aussi, un méga glitch. Voilà. Hop là, on se retrouve. Ah, est-ce qu'il va y arriver? Attends. Il va y arriver, oui. I believe I can fly. Allez, vas-y, tu peux le faire. Allez, vas-y, Tails. Il va y arriver. Active ta queue rotative. Allez. Ouais, fantastique. Et voilà, je me retrouve posé là où je ne suis pas censé être du tout. Et du coup, une fois de plus, OOB, glitch, machin. Je n'ai plus besoin d'aller surfer sur l'eau pour atteindre la partie finale du niveau que je souhaite atteindre. Voilà, je souhaite aller sur cette toute petite plateforme tout en haut. Ah non, remonte. Ah. Non, c'est bon, il l'a touché. Il l'a touché, c'est bon. Très bien. Donc du coup, il peut arriver carrément à la fin du niveau. Enfin, il a passé tout un niveau. Enfin, tout un niveau, il fallait surfer sur l'eau, il fallait monter des plateformes, etc., tuer des robots, tout ça. Là, il est arrivé quasiment à la fin déjà d'un niveau. Ah ouais, on te pose la question, qui était le premier dans le classement des licences qui devait mourir? Ah, c'était Assassin's Creed. D'accord. Voilà. Assassin's Creed, parce que bon, Assassin's Creed, ça fait très version années 2000 quand même. Le credo de l'assassin. Alors... Donc Sonic et Tails se retrouvent piégés, c'est pas grave, par le docteur Robotnik, séparé de Knuckles et Amy. Pas grand chose.
Après avoir combattu quelques robots, il décide d'explorer la forêt. Un peu plus loin, il retrouve enfin Amy et Knuckles devant une gigantesque porte où sont gravés des dessins de Sonic et Tails. Alors que Sonic s'apprête à ouvrir la porte grâce à un système d'ouverture que lui seul semble bizarrement pouvoir activer, hein, cherche pas, c'est magique, Amy l'en empêche. Le robot arrive, mais l'équipe de Sonic ne tarde pas à les détruire. Une autre masse de robots arrive avec Metal Sonic cette fois. Malgré les protestations d'Amy, Sonic ouvre la porte pour pouvoir échapper au robot avec ses amis. Metal Sonic tente d'ouvrir la porte. Robotnik arrive à son tour, déclarant que c'est bien ce qu'il pensait. Mais Robotnik ne voit pas Shadow derrière, qui observe la scène en silence avant de s'en aller. Je l'ai lu 4 fois et je n'ai rien compris. J'ai lu ce texte 4 fois et je ne l'ai toujours pas compris. Et au moins, tu sais quoi ? Tu es honnête. Voilà, j'ai le... voilà. Ah bah justement, c'est ce dont je parlais. Le 17 mai 2003, Sega annonce un accord mondial avec Nintendo pour les 3 prochains jeux de la franchise. Sonic voilà. Donc tous développés exclusivement pour les consoles Nintendo. Donc c'était Sonic Lost World. Lost World, voilà. Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Sochi 2014. Troisième jeu inconnu qui était donc Sonic Boom. Il a été dévoilé le 6 février 2014 pour Wii U et 3DS. Parce qu'il faisait partie d'un projet cross-média, hein, comprenant également la série animée dont tu parlais, Sonic Boom, et de nombreux jouets. Voilà. Et Sonic la Boom, un jeu avec Sophie Marceau et Knuckles. C'est ça. Je pense qu'en fait, on va plus lire vos vannes sur le jeu plutôt que le commenter, parce qu'il y a tellement... toujours le même glitch, en fait. Il utilise tout le temps le glitch de la pause et de faire des sauts à peu près hallucinants, que bah, c'est très répétitif. Alors, avant sa sortie, le jeu avait reçu des avis très partagés. Un Destructoid avait nommé le jeu en tant que meilleur jeu de plateforme et meilleur jeu Wii U de l'E3 2014. Voilà. Donc je pense qu'ils ont été payés. En même temps, il y a pour écrire des trucs pareils, c'est pas 2014, possible. Hein. Voilà. À sa sortie aux États-Unis, le jeu se fait descendre par les critiques à cause de ses nombreux bugs, graphisme assez pauvre et sa durée de vie pas très grande, hein, environ 7 heures ou 2 à 3 heures pour la version 3DS, jusqu'à obtenir les pires notes pour un jeu vidéo Sonic. Ouf. Les notes, justement. GameCult lui a donné 3 sur 10. GameSpot, 2 sur 10. IGN, 4 sur 10. C'est moche quand même. Le Game Rankings, il a un score de 32,71. Et Metacritic, 33%. Ouf. Eh, je suis désolé, ils sont payés, hein. Ah, voilà. Donc, Destructoid, je ne sais pas où ils ont vu... je ne sais pas où ils ont vu... voilà. Non. Alors, par contre, sans déconner, ça a déjà été dit, mais c'est vrai. Il y a de bonnes idées pour ce jeu. Honnêtement, il y a vraiment de bonnes idées. Malheureusement, il y a beaucoup de mauvaises. Beaucoup trop de glitches, voilà. Donc là, ce que nous allons pratiquer avec Knuckles... je vais dire comme 9 sur 10. Ah oui, tiens, est-ce qu'on peut regarder, tiens, justement. Ah ben, je t'en prie. Et attention, sérieusement, par contre, trichez pas. Non, on va être impartial, on donne vraiment les notes de tout le monde tant qu'on y est. Ah non, mais non, c'est les notes, c'est un indispensable gameblog, là... Pardon. Je ne sais pas, je doute. Indispensable gameblog. Le framerate est à 15 FPS. Oui, là, il faut que tu fasses un pulse buffer. Parce que normalement c'est 10. Alors je vais même vous dire, la rédaction ne l'a même pas testée. Elle n'est pas notée en fait. Ah bah voilà. Il y a les lecteurs qui ont mis 9 sur 7. Enfin 9,7 pardon. Ah 9 sur 7, pardon. C'est très fort. 9,7. Non, 9... ce jeu est un indispensable. 9,7 sur 20 par les lecteurs. Mais la note globale et la rédaction... Non. Ils le mettent pas, non. Je pense qu'ils ont même très bien fait de pas le noter, parce que je pense qu'ils auraient bien descendu en flèche. Parce qu'ils n'ont même pas pris la peine de le faire. Ah ouais. Je rêve pas qu'Adar PC a donné 0 sur 10 au jeu. D'accord, écoutez. Oui, c'est 9,7, pardon, excusez-moi. D'accord. Excusez-moi. Alors là, c'est bon. Ah ouais, fini. Alors, voilà, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Amy, elle, a le pouvoir du marteau et du double saut. Donc, évidemment, Amy, ça va être beaucoup plus simple avec elle de passer les portes. Voilà, évidemment, la porte, on n'est pas censé la passer, mais Amy, elle, est totalement capable de le faire. Donc, on va pas s'en priver. Les petites plateformes roses, il n'y a que Amy qui peut marcher dessus. C'est pour ça qu'elles sont roses. Ah, joli game design, n'est-ce pas?
Qu'est-ce qu'on a d'autre comme glitch? Ah bah, le glitch évidemment le plus utilisé, le plus couramment vu dans ce run, ce sera le glitch avec Knuckles. Qu'est-ce que peut faire Knuckles? Knuckles en fait peut sauter et arriver au summum de son saut, plonger vers le sol avec ses deux poings vers le sol pour faire une sorte d'attaque de zone, n'est-ce pas? Lorsque vous êtes au maximum de votre saut et que vous vous apprêtez à faire l'attaque, appuyez sur pause, enlevez la pause et réappuyez sur le bouton de saut. Et à ce moment-là, le gars... On en parle, la mutation pourrie de Jean-Marie Bigard que tu viens de faire. Si tu veux. Non, ça va aller. Ça va aller. J'en ai plein d'autres, des imitations pourries. Ça, je me doute bien. Mais ce sera pas ici. Voilà. Il a oublié comment planer? Oui, il a totalement oublié comment planer, Knuckles. Knuckles, maintenant, il se sert de ses petits petons pour faire du mal aux méchants. C'est-à-dire qu'il a tellement pris de muscles entre deux jeux que maintenant il ne sait plus voler. Hein. Voilà, c'est ça. C'est bien trop lourd pour lui. Il reste collé au sol, c'est dommage. C'est un peu ça. La preuve de la médiocrité du jeu, Amy est de très loin le meilleur perso jouable. Le meilleur jouable. Perso jouable, tout à fait. Ben, on dirait, oui. Alors, c'est pas on dirait, c'est le cas. Hein. C'est le cas, en fait, c'est le... Très sincèrement, je n'ai absolument pas joué au jeu, mais pour le kiff, on va dire, j'aurais bien envie de l'essayer. Mais ça s'arrête là. D'accord. C'est peut-être pas le point de l'acheter. En tout cas, pas trop cher. Hein. Voilà, c'est-à-dire que je vais attendre un donc petit là, peu. Voilà, le glitch là qu'on va utiliser avec Amy, qui marche aussi avec Sonic, c'est ce fameux glitch où je saute, je tombe sur un ennemi, j'appuie sur pause, j'enlève la pause et je suis projeté en l'air. En fait, je pense qu'il y a une sorte d'accumulation de données, d'énergie cinétique, je ne sais pas trop comment expliquer ça autrement, qui fait qu'en fait le jeu considère que l'on accumule de l'énergie lorsque l'on saute au sol. Que l'on doit rebondir aussi fortement que la puissance de notre attaque. C'est la seule explication. Alors, non, pas forcément pour essayer de le payer, c'est sur les démos aussi. Au Wii U, il y a beaucoup de démos, donc... Ah, mais oui, c'est vrai, je crois qu'en plus, il y a une démo. Je crois qu'il y a une démo sur Wii U, donc je pense que je pourrais aller le chercher, quoi. Alors, un truc à ne jamais tester, ne faites pas ça chez vous. Lorsque vous êtes en train de courir sur ce genre de plateforme, ne sautez pas. Si vous sautez, vous allez conserver l'énergie cinétique toujours de votre action, de votre direction, et vous allez sauter dans la direction vers laquelle vous vous dirigez, c'est-à-dire que vous allez atterrir dans le vide total. Voilà. Ou alors c'est juste de la merde. Un peu aussi... straightforward boss fight. He's going to throw some missiles at us. We're going to throw them right back and then we're going to punch him to death. Alors je dois avouer, j'ai absolument rien dit. Je sais pas si c'est la hype du jeu d'après etc. Mais on est revenu à 96 000 viewers. Aha. Donc voilà. Ou alors le jeu est vraiment super cool. Hein. Mais ou alors, là, franchement, je dois avouer, j'ai raté un épisode. Ah, je pense qu'on est passé à côté de quelque chose alors. Alors le combat contre Robotnik, nous allons donc ramasser les missiles qu'il nous laisse au sol. Pour et lui balancer la nous tronche. Nous allons ramasser les missiles qui tombent au sol pour lui balancer à la tronche. Le boss se fait en 3 cycles, hein, quand comme tous les jeux, se fait en 3 cycles. Et donc là également, on va compter sur la bonne intelligence de nos amis pour tirer le robot à 4 et le foutre au sol. Voilà. Et là, ben, on lui fout des tartines dans sa tronche. Voilà, et là donc on voilà. Tape ta tronche. Alors, ce qui n'est pas très très gentil, me signale mon mari, il a tout à fait raison. qu'on salue d'ailleurs. Voilà, hein. Oui, vous avez tu as un grand bonjour de tout le chat et de tout le TeamSpeak, voilà. Voilà, ça au moins c'est fait. Voilà, ça c'est fait. Et flux, tout à fait, c'est bien ça. Donc là, voilà, la technique, hein, je ramasse le missile, je le balance dans sa petite gueule, voilà, j'en balance 3, évidemment. J'attends que mes amis activent leur laser, voilà, pour tirer... au sol Robotnik et je vais le taper. Alors oui, le design de Robotnik m'a franchement laissé perplexe. Ah oui, franchement ça pique parce que, un parce peu. Pour, hein. Parce que pour moi Robotnik c'était un méchant, charismatique, tu vois, c'était pas une sorte de personnage un peu comique, un peu voilà, c'est un peu rigolo quoi. Je trouve vraiment dommage qu'ils aient fait ça de Robotnik. Je trouve que c'est voilà, c'est regrettable. Alors oui, alors d'un seul coup, le chat s'interroge, tu as dit le mari, mais oui, tout à fait. Mais oui, tout à fait.
puisque Kawaii Matt est de la jaquette, comme on dit, et ils se sont mariés il n'y a pas longtemps. Ils se sont mariés il n'y a pas longtemps, et on ne répétera jamais assez. Longue vie et grand bonheur à eux. À moi, c'est sincère. Oh, oh, ça me touche quand tu dis ça. Pas trop. Eh, hey, s'il te plaît, hein, ton mari est à côté, on n'a pas le droit. C'est quoi le... Ah oui, c'est vrai, parce que toutes mes infos ne sont pas tellement passées. Le Twitter de Capo... Tu tapes sur Twitter, Capoustoch. Le nom de famille de Butters. Voilà. Capoustoch. Si vous voulez, je peux même l'écrire, hein, si jamais il y en a que ça intéresse, quoique il n'y en a pas des masses. Enfin bon, c'est pas grave. Ah, regarde, voilà, bravo, oh, félicitations. Regarde comme c'est beau. Cette explosion d'arc-en-ciel sur le chat, voilà. C'est magnifique. Voilà, regardez. Mon chéri, viens voir ça. Regardez ça. Regardez comme c'est beau. Viens voir ça, mon chéri. Tous ces arcs-en-ciel sur le chat. La jaquette, a dit avec l'accent des années 20. C'est très très beau. Ça va aller. Pour quoi faire ? Bah pour te faire un petit bonjour. Voilà, voilà, c'est pour le bonjour, voilà. C'est pour vous féliciter. Pour, ce pour le bonjour, c'est pour nous féliciter, notre mariage, tout ça. Voilà. Voilà. Dis-toi, c'est un peu tard. C'est vrai qu'on s'est mariés l'année dernière, donc voilà. C'est... Oui, mais enfin, voilà. C'est, il vaut mieux tard que jamais. Voilà, vieux motard que jamais, tout à fait. Bravo. Moi, j'aime bien. Voilà, voilà. J'aime bien. Oh là là, cette explosion d'arc-en-ciel. Regarde ça, chats, calmez-vous, oh là là. C'est bon, ça va aller. Oh là 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 là, écoutez. Regardez ça, c'est bon, calmez-vous. C'est oh là très là bien, là quand là même. Là. Oh, c'est fou, ça. Regardez ça comme ça. Arrêtez, beau. Vous allez me faire pleurer. C'est tellement beau. Alors. C'est bon, calmez-vous. Voilà, calmez-vous. Regardez, on a encore des glitches à faire. Il y a encore un jeu à commenter. Parce que tout à l'heure, on dit des beaux trucs. Il y a des glitches qui continuent. On se rend pas compte. C'est plus intéressant que le speedrun. C'est ça. Donc, c'est le speedrun des mots de jeu nul. Mais exactement. Absolument. Exactement. Rip le commentaire de Steam FR. Tout à fait. Ah, parce que vous vous attendiez à avoir un commentaire de 3 glitches pendant toute la durée du jeu. On peut pas exagérer. Alors, voilà, ici Sonic va nous faire le glitch du spin dash. Concrètement, voilà. Sonic, c'est... Ah, je l'ai déjà dit. D'accord. Calmez-vous bien, je vous prie. Oui, c'est vrai, il ne faut pas le dire. Concentrez-vous sur Sonic Boom, c'est génial. C'est fantastique. bon, alors... on en est où là? Ah oui, alors ça c'est l'un des meilleurs niveaux du jeu. C'est dommage qu'ils doivent passer aussi rapidement. Mais c'est un niveau qui est exclusivement aérien. C'est-à-dire qu'on va être pendant quasiment toute la durée du niveau sur des rails. Donc autant dire que c'est un niveau assez rapide. Alors il faut faire le spin dash pour glitcher. Oui, en fait, ce qu'il faut faire précisément, te mets en position de spin dash. Tu appuies sur pause juste avant de relâcher le bouton A. Et une fois que tu relâches le bouton A, tu enlèves la pause. Et là, Sonic part tel une flèche droit devant lui. Il parcourt des kilomètres à toute berzingue. Oui, j'ai passé le mot berzingue. Ce qui lui permet donc de parcourir d'énormes distances et notamment de passer... de passer des trous qui, normalement, ne devraient pas être passés, qui permettent d'atteindre, en fait, le bout d'un niveau. Voilà. Donc, dans ce niveau-là, en fait, il faut casser des caisses afin que des lasers puissent activer des switches. Ces lasers qui activent des switches permettent de faire disparaître des éléments du décor qui nous permettent d'avancer. Donc là, en fait, on joue les quatre personnages séparément. Car chaque personnage doit justement casser sa caisse, quoi. Là, Knuckles est en train d'utiliser la fameuse technique de l'infinite jump. Lorsque vous sautez, vous activez l'attaque vers le sol, vous appuyez sur pause, vous relâchez la pause et vous pouvez ressauter à nouveau. Parce que le jeu considère que la pause annule toute action. L'expression des années 20, berzingue, oui, je sais. Ouais, faut regarder, il faut que tout ce qui vient de se passer, c'est uniquement pour ouvrir une porte. Voilà, c'est exactement ça. Et là, ce qui est en train de se passer, c'est, je pense, le OB le plus impressionnant de ce jeu. Tout à fait. Il va juste faire de la pause pendant, je sais pas, 2-3 minutes. Donc j'exagère un peu, mais c'est vrai. En fait, ce qui se passe, c'est un peu comme Yoshi. Les programmeurs ont dit, de toute façon, ça sert à rien de programmer un mur jusqu'en bas du sol. Parce qu'ils vont pas y aller. Les gens ne vont pas y aller. Ils vont pas y aller. Les gens sont pas cons. Ils se disent, il y a un mur, je vais pas rentrer dedans. Et si? Et si les gens le font? Les gens on va se rapprocher dangereusement de cette séquence où on va limite
marcher dans les nuages. Puis je vous jure que c'est vrai, c'est pas des bêtises, hein, je vous jure, c'est vrai. On va marcher dans les nuages, on va même s'accrocher à un rail invisible. Des poutoules, Ona Rose. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, donc en fait, on passe. Ah oui, je dis beaucoup de fois en fait, désolé. On va passer donc sous le niveau. On va faire du pause play, du pause buffer pour. Et du coup, nous allons passer de l'autre côté du niveau. Voilà, ce qui nous fait gagner énormément de temps. Chaque perso a son propre glitch comme une capacité spéciale. C'est l'idée. C'est vrai que c'est bien fait qu'ils ont fait un peu de sol. Alors regardez, quand je vous dis que je n'exagère absolument pas. Voilà. À partir de ce moment, ça va vraiment être le pause play. Voilà, c'est tout la pause. Tout le temps. Vous allez voir qu'au même bout d'un moment, le mec en aura marre. Et bien Knuckles sera posé sur une plateforme invisible. Tout à fait. Et donc, il pourra même atteindre un rail qui ne sera pas visible. Il parce même que pas le, visible. Le jeu n'a pas loadé la séquence suivante parce qu'on n'est pas censé être là déjà maintenant. Le problème, ce qui se passe, c'est que quand on est passé sous le mur, hashtag en fait, la salle suivante n'a pas été loadée, donc les ennemis n'étaient pas présents dans la salle. Et en plus de ça, on passe d'une salle qui n'est pas loadée à une salle qui n'existe pas encore dans la mémoire du jeu. Non mais tu te rends compte, c'est complètement dingue. Donc du coup, le jeu pète complètement un plomb et on se retrouve totalement dans les nuages. Heureusement que la structure du niveau est chargée dans sa totalité, mais les décors, eux, ne le sont pas. Donc là, on est complètement dans le absolument one again. On est dans le one again, voilà. On arrive et on revient à une séquence de jeu qui, elle, a été chargée. Elle, que, voilà. C'est chargé, tout à fait. On s'est dit, tiens, t'es déjà là, bon bah attends, je te charge la suite. Je vais quand même te mettre ça. Trois décors, que tu saches où tu vas. Pas, je vais même te charger les ennemis. Ah, ça c'est cool. Voilà, c'est-à-dire que, non mais pour de vrai, hein, c'est vraiment ce qui s'est passé. C'est que vraiment, je t'ai dit, tiens, t'es déjà là, tiens, je te mets la suite parce que t'es un gars sympa. Voilà, c'est ça. Et je t'en mets un peu plus, je te le laisse. Parce que tu as daigné jouer à mon jeu, donc je te charge du décor. Voilà, c'est l'idée. C'est complètement dingue. Mais en fait, Jamy, alors ça veut dire que ce jeu est tout pourri. Et oui, mon Fred. Et regarde sur cette maquette. Regarde sur cette maquette. On peut voir que le plan n'a pas été créé. Tout à fait. Knuckles a eu une tête de con sur ce jeu. Et en fait, quand je bouge le truc, tu vois les aimants derrière. Et oui, Jamy. Ah là là. Même si honnêtement, c'est vraiment un jeu, mais c'est du gruyère. Il y a des trous partout, c'est pire que... Ce genre de truc, ça arrive dans de très nombreux jeux. Oui, tout à fait, ça arrive aussi dans Shrek 2, que je vous conseille. Ah là là. Oh là là. Heureusement qu'il n'y a plus de traces. J'ai envie de vous dire, Hashtag je suis Jamy. Toutes les textures sont préchargées au chargement. Non, c'est pas les textures qui sont chargées, c'est la structure des niveaux. C'est la structure du jeu. C'est-à-dire, si tu dois t'accrocher quelque part, le jeu l'aura déjà précalculé de suite. Voilà, c'est les décors qui sont derrière. La structure est chargée, mais le décor ne l'est pas. C'est-à-dire qu'en gros, tu as une boîte, tu es dans une pièce où tu n'as pas de mur, tu n'as pas de sol, tu n'as pas de plafond, mais par contre, tu as déjà des ampoules. Tu vois ? En gros, ça. Et alors, encore une fois, ce qui va se passer, c'est qu'à la base, il faut faire ce combat jusqu'au bout pour que eh bien, ce cube rouge disparaisse. Hein, c'est vraiment. Voilà, pour que ce mur disparaisse. Mais bon, voilà. Maintenant, on le sait, ça ne sert à rien, on peut passer par-dessus. Donc, nous allons tenter d'utiliser le glitch de Sonic, c'est-à-dire sauter sur un ennemi, appuyer sur pause. Mais là, il galère un petit peu quand même. Là, il galère. Mais il va y arriver, non, c'est bon, moi, je le sens. Je le sens. Oui, il va y arriver. Hop, c'est bon, il y arrive. Encore un peu, dommage. Non, il a appuyé trop tard. Il faut vraiment appuyer au moment mais de l'impact. Bon, voilà, magnifique. Là, tu vois, c'était vraiment parfait. Dommage que... Voilà. Voilà. En fait, il faut vraiment appuyer au moment de l'impact, au moment où le cercle bleu se forme autour du corps de Sonic. Le gruyère n'a pas de trou, contrairement à l'émental. Oula, ça commence à parler fromage. Et c'est vrai en plus, on fait souvent l'erreur, mais c'est vrai. C'est moi qui l'ai dit en plus, pardon, j'ai absolument pas réfléchi. Comme le début de ce jeu, je n'ai jamais réfléchi. Il faudrait un world record pour savoir quel est le world record du jeu. Le voilà, runner que nous voyons actuellement. 34 minutes 11. 34 minutes 11. 34 minutes 11.
Voilà, voilà. Et on l'a dit, sans les temps de chargement, 10 secondes. Je suis Babybel. Heureusement que ce jeu est sur PS4, et bien même pas ce jeu. Non, est non, sur non, non, il est Wii U. Sorti que sur Wii U. Il est sorti que sur Wii U et 3DS. Oui. Tout à fait. Donc, est-ce que je vous réexplique enfin, là, c'est pas le même jeu, mais voilà. Le jeu n'a pas été réfléchi non plus d'ailleurs. Non, non, je veux dire, ils ont fait un nouvel opus, mais c'est quand même Sonic Boom. Voilà. Vous êtes la seule séquence. Ah non, c'est bon, j'allais dire une bêtise. Où il n'y a pas de. Non. Voilà, c'est la seule séquence. Où... Eh non, non. Je... Et non. C'est bon. Et non. Est-ce que je peux avoir une non, poche Marcel, avec mes chocolatines allez, avec grand plaisir. Je vous donne toutes les chocolatines que vous voulez. Je suis boulanger en plus, je les fais moi-même. Alors que mon chéri m'a commandé un kebab. Oh. Bon, alors, je ne le répéterai jamais assez, mais lorsque vous êtes sur ces plateformes-là, ne sautez pas, hein, faites pas les cons, ne sautez pas, sinon vous vous retrouvez complètement à l'extérieur du niveau. La lucidité de Xbox et PS4 face à cet indispensable de Gameblog. Tout à fait. Vous voulez qu'on rajoute. Voilà. Magnifique. Donc là, on va utiliser ce petit objet dans le coin du mur, bah, il l'a fait du premier coup, pour une fois de plus utiliser notre glitch Sonic. Et du coup, nous allons passer... Ah, alors là, le chargement s'est fait vraiment au bon moment. Bon, hein. Et là, on était vraiment parti dans du gruyère. Ah, il a quelle sauce le kebab, me demande-t-on c'est sauce mayonnaise. D'accord. D'accord. Alors, la mort ici, c'est fait exprès, c'est juste pour que le niveau soit bien chargé, en fait. Pour qu'on n'ait pas que les ampoules, pour qu'on ait aussi le mur et tout le reste. Ah, sinon, ça craint. En termes de routing, c'est assez fou quand même pour trouver la route optimale avec tous ces glitches. Mais c'est exactement ça. En fait, tous ces glitches, le glitch de Knuckle qui permet justement de faire des sauts à l'infini permet d'explorer tous les niveaux du sol au plafond. Donc justement, Knuckle a été beaucoup utilisé pour trouver la route optimale et pour aller donc jusqu'au bout en effet de ses recherches. Donc là on est aujourd'hui sur la route la plus optimale trouvée sur le jeu. Et ça fait à peu près 2 mois hein, que cette route-là est suivie par l'ensemble des runners. Nous allons une fois de plus utiliser le glitch de Sonic. Alors regardez bien, c'est vraiment au moment de l'impact, c'est très précis, hein, ça se joue à une dizaine de frames près. Au moment de l'impact, lorsque le cercle bleu se forme autour du corps de Sonic, on appuie sur pause, on relâche la pause et Sonic s'envole dans les airs. Vraiment à la verticale. Non pas à l'horizontale. Non, l'horizontale, c'est le spin dash. Voilà, donc là, une fois de plus, on est sur des rails. On est de tout ce qui arrive sur notre chemin. Alors que je n'entends plus du tout Capoué. Capoué, tu es mort. Si, je suis là. Capoué est là, d'accord. Très précis, une dizaine de frames. Ouais, 37 000 dollars déjà d'acquis. Hein, quasiment. Le mur de ce jeu sont bien solides. Ah oui, c'est du papier de cigarette. Déteste les 2 secondes de gameplay entre les pauses. Et oui. Alors là, oh là là, le piège, le décor apparaît sous nos pieds. Mais c'est pas un piège, on... Le jeu se croit drôle. Voilà, une fois de plus, OOB, hein, on n'est pas censé être là du tout. On va utiliser le spin dash pour être projeté bien rapidement. Là, c'est foiré, là, ça marche, voilà. Oh là là, je suis complètement derrière le décor. Et vu combien de dons l'année dernière, je ne saurais pas te dire, je ne suis pas sur le tracker de l'année dernière. C'est le sport de coupe brésilien. Mmh. Oui, tu as le droit de dire que c'est pourri. C'est ton beurre du décor.
Oh my god, les murs, vite, ils font un glitch. Mais c'est totalement l'idée. C'est totalement l'idée. Bah, en fait, oui, le jeu est construit sous forme de d'open map. En fait, on a un hub principal qui nous amène vers les 5 niveaux du jeu. Les 5 niveaux du jeu sont plus ou moins des open world sur rail. D'accord. Donc en fait, on n'est pas censé sortir du rail, on n'est pas censé explorer la salle 3 après la salle 2. Voilà, tout est chargé, tout est déjà chargé, toute la mécanique du niveau est chargée, mais pas les décors, parce qu'on est vraiment censé suivre les décors dans un ordre particulier. Mine de rien, on est déjà à la fin du jeu. Mine de rien, on est quasiment à la fin du jeu, oui, parce que mine de rien. C'est le boss final, c'est Lyrix. Voilà, on se pitié suicide avec Knuckles parce que c'est plus rapide. Voilà, tout simplement. Donc là, l'idée, c'est d'attraper les ennemis, de les balancer en dehors du décor pour ne pas qu'ils nous emmerdent, et d'attendre que Lyrix s'écrase. C'est un peu comme tout à l'heure. Et là, on utilise encore une fois le swing parce que ça fait plus de dégâts. Voilà. Et au bout d'un moment, bah, il meurt, et ça y est, c'est fini. Hein. Bah, ouais, c'est ça. En fait, c'est très rapide. Comment on peut dire ça ? Où est-ce qu'on peut retrouver tout le programme ? En tapant la commande planning, je crois bien. Voilà, merci Moobot. Ah là là. Moobot est toujours là. C'est pas Robotnik le boss. Et non, le boss c'est Lyrix parce que le jeu s'appelle Sonic Boom, l'ascension de Lyrix. Donc l'ennemi c'est Lyrix. Il a fusionné avec quoi, Eggman ? Eh bien avec son robot qu'il a construit à la base pour détruire encore et toujours Sonic. Et voilà. Pour le coup, il s'en est pas défait. Et là, regardez, c'est fini, on peut même faire top chrono bientôt, là, on est quasiment à la fin. Donc c'est même les dernières séquences, hein, c'est les dernières secondes du jeu. On est à 37 minutes. Vous rendez compte de l'avance que... vraiment eu beaucoup d'avance. La fin égale libération. C'est hein exactement ça. Y a 37 de ça. Minutes et 10 secondes. Voilà, pas le record du monde, mais à 3 minutes près, on est bon. À 3 minutes près, on est bon. Donc on l'a dit, le jeu est pas super cool, mais le speedrun... Et le speedrun est très drôle. Le speedrun est très drôle parce que voilà, on peut passer absolument partout. Ce jeu est pire que de l'Emmental. Et c'est assez impressionnant, autant par les tricks accomplis. On a beaucoup, beaucoup rigolé, mais en même temps. Donc nous venons de finir un jeu qui normalement se finit en 7 heures en 37 minutes 10. Elle est pas belle la vie ? Et on vous a quand même épargné 7 heures de Sonic Boom. Ouais. Vous pourriez nous remercier. Sans déconner, ouais. On n'est pas passé très très loin. Hein, alors, ce qui on se aurait passe, pu c'est faire que... le jeu normalement. Hein. Évidemment, évidemment, mais non, 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 c'est trop facile comme ça, c'est beaucoup trop facile. C'est vu. Quand même, on vérifie, vérifie que dalle, parce que là, c'est vraiment, on se la pète, dit, comme on a un peu de temps devant nous, il va nous montrer quelques trucs un peu sympas, enfin, je crois. Voilà. Quelques glitches supplémentaires, parce non, que je voilà, sais, je sais même pas. On n'en a pas vu assez, on n'en a pas vu assez. En sachant que le jeu suivant, c'est Shadow the Hedgehog, commenté par Kouchas. Ah, fabuleux. Ah, Shadow the Hedgehog, un jeu GameCube fini en 23 minutes. Je pense que malheureusement, les Sonic de cette SGDQ vont malheureusement être violés, hein, littéralement. C'est dommage. Torché massacré, exactement. On verra bien, honnêtement. Je vous l'ai dit, on a beaucoup rigolé, on a beaucoup raconté de conneries et même des pas drôles, mais ça, on s'en fiche. Parce que nous, ça nous ferait rire, le tout, c'est qu'on ait ri. Voilà. Le tout, c'est que nous, au moins, on est rigolé. Voilà, c'est plus important. Non, surtout que Kawaii m'a appelé au secours parce que ce jeu tout seul, c'était pas possible. C'est ça. On a raconté des bêtises. Parce que sinon, j'aurais rigolé tout seul et voilà, ça aurait pas été. Voilà. Les pires Sonic, ben écoutez, c'est vos avis. Moi perso, j'ai envie de dire que c'est un des mauvais Sonic parce que Sonic Boom est absolument. La série est absolument atroce. Mm. Et je vais de pas aller essayer la démo. Ah, mais voilà. Je pense en faire autant. Je pense en faire autant. Si la démo est disponible, je vais m'en occuper. Là, concrètement, le glitch qu'il va vous montrer, c'est que si on passe par-dessus cette porte avec le pouvoir de Shadow, on va arriver derrière cette porte où il est censé s'enclencher une cinématique. Et les personnages qui vont apparaître derrière la porte sont en keypose. C'est-à-dire qu'ils sont morts. C'est une cinématique, donc là, c'est... Voilà, limite, c'est censé être une cinématique. Donc, normalement, c'est censé être animé. Mais là, du coup, ils sont en mode qui pose. C'est-à-dire qu'ils sont en mode développeur, quoi. Enfin, en mode animateur, tu vois.
Donc oui, du coup, ils restent tous les quatre comme ça, comme des cons. Le problème, c'est qu'arrivé là... Pourquoi il continue ? Parce qu'il a fini le jeu avec un peu 13 minutes d'avance. Parce qu'il a fini le jeu avec 13 minutes d'avance. Donc comme ils font un peu meubler tout ça, et ils montrent quelques glitchs un peu sympathiques. Voilà, tout à fait. Là, le problème, c'est qu'une fois arrivé là, bah, on est bloqué, quoi. Soit on refait le chemin arrière et on finit le combat précédent, pour pouvoir enclencher la cinématique, ou alors on va jusqu'au bout de la salle, à l'autre bout là-bas, et on se pitié-suicide. Voilà. Donnez-moi un thé. c'est pas bête. Voilà, et du coup, la salle précédente a été déchargée de la mémoire de la console. C'est le grand n'importe quoi. Voilà. Que vous voulez qu'on vous dise. Même si on veut dire que ce jeu est bien, bah, on n'y croit pas, en fait. C'est ça. Il change quand de commentateur pour que je remette le son. Bah, Oxyga, ça va pas tarder, ça va pas tarder. Je te laisse patienter quelques minutes. C'est vrai que les Humble Bundle cette année, c'est que des soldes. Oui, c'est vrai. Oui, en fait... C'est absolument que des soldes. Ouais, je pensais en effet qu'il y aurait eu un hashtag, en effet, qu'il y aurait eu un Humble Bundle, mais ce n'est pas le cas. Alors là, qu'est-ce que c'est que ce coin? On dirait une sorte de salle développeur, tu sais, genre pour tester l'animation. Alors, petit rappel, vous regardez la Summer Games Done Quick, c'est un marathon de jeux vidéo, donc il y a plus de 150 jeux qui sont joués, si je te jure, plus de 150 jeux qui sont joués, et ce marathon a pour but de récolter des dons pour Médecins Sans Frontières. On l'a déjà dit que Médecins Sans Frontières, en ce moment, bah, avec les événements qui sont passés il y a déjà quelques mois, sont un peu sur tous les fronts. Fait. Et bizarrement, même si vous n'avez qu'un euro à donner, même si vous n'avez que 50 centimes, en réalité, il faudrait au moins donner 1 euro parce que sinon... Ils seront utilisés à très bon escient. Voilà, ouais. Ça se trouve, c'est peut-être... Je l'ai dit quand on faisait le SA, mais c'est vrai, c'est peut-être votre euro qui va leur permettre d'acheter... Un matos en plus qui va permettre de faire partir quelqu'un de cet endroit où ils sont. Oui, ou acheter un vaccin. Acheter un vaccin, voilà, ou même juste le faire transporter dans un hôpital décent, etc. Donc on dit beaucoup de conneries, on ne plaît pas à tout le monde, et c'est vrai, et franchement, on n'en a rien à fiche parce qu'on fait ça pour la bonne cause. Claquez vos RSA, bourrez les dons, parce que, on ne l'a pas dit assez souvent, bourrez les dons, parce que c'est la plus belle phrase qu'on peut dire. Ça fait claquer au RSA. Et que même si on dit que le jeu est pourri, qu'on fait des vannes de merde et tout ce que vous voulez, tant pis, nous on fait ça pour Médecins Sans Frontières et c'est sûrement la plus belle des choses. Donc allez-y, même 1 euro, même juste un petit, même si c'est n'importe quoi, il faut le racheter Sonic Boom. Non, peut-être pas, ça c'est une punition, on va dire. Parfait. Non, mais après... Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre aussi ? Si vous souhaitez participer... Dans les commentaires Si vous souhaitez participer aux commentaires, sachez qu'il y a encore quelques jeux qui ne sont pas encore renés, donc n'hésitez pas à vous proposer. Hein, si vous voyez un jeu sur lequel il n'y a personne et qu'il vous intéresse, n'hésitez pas à vous proposer auprès de Mr. MV, mrmv@gaminglife.fr pour commenter donc ce jeu. Vous pouvez également participer à la cause et vous refringuer pour cet été en achetant des t-shirts sur theyeti.com. Voilà, donc en plus, c'est pour la bonne cause et ça fait plaisir. Ouais. Et vous aurez votre bonne action. Et on va passer une pub très vite fait pendant leur setup. On rappelle des blocs adblock pendant toutes les pubs. Ouais, en fait, des blocs adblock. Deux navigateurs, c'est ça. On le rappelle pour tous ceux qui n'ont pas été là quand on a fait la première pub tout à l'heure. Tous les dons, tous les bénéfices procurés par les pubs seront reversés dans un seul gros don à la fin du marathon. Alors, on débloque adblock pendant 1 minute. Ça fait plaisir et ça fait toujours la bonne cause. Tant pis si vous tapez Pampers pendant 1 minute. Allez, on peut faire une petite page de pub. Merci. Voilà, merci beaucoup.
Ah oui, non, mais c'est lancé depuis 20 secondes, désolé. Pas grave. Ah, d'accord. Bon, attendez 20 secondes. Moi, je suis là, je fais la bonne cause et tout, je fais le mec sympa et tout. Mais non, non, j'ai lancé après, mais... Ah non, mais tu l'avais super bien lancé et tout. Hein. Franchement, c'était classe. Hein. Ça faisait très télé, tu sais, ça faisait très radio. Je suis vraiment désolé. Ah non, mais c'était le grand jeu par SMS. C'était beau, c'était super bien fait. T'inquiète pas, il y aura des gens qui t'ont entendu. Je suis sûr qu'il y en a encore qui l'ont entendu. C'était fait. Bravo à toi. Merci, merci. Du coup, alors, merci à vous. Qui on a ensuite? Ah mais ça y est, on est revenu. Ouais, ça va revenir bientôt, normalement. Alors voilà. Qui a-t-on ensuite? Oui, normalement c'est fini. C'est Kouchas qui fait le commentaire de Shadow the Hedgehog. Alors est-ce qu'il est là, Kouchas? Alors, je l'invite à nous rejoindre s'il nous entend. À rejoindre le... Si je vois qu'il est dans le salon. Je vois qu'il est dans le salon. Il est là dans le salon, alors on peut lui dire de venir parce qu'il y a un peu d'avance. Ouais. Sinon, peut-être que je peux le switch, mais... Oui, 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 ce serait bien. Ah, on dit que la pub n'a pas été lancée. La pub n'a pas été lancée, ouais, je vous en remets si vous voulez. Il y en a, alors, c'est toujours la même chose avec la pub, il y a des gens qui ne l'ont pas et il y en a qui l'ont. Ouais, c'est normal, ça n'envoie pas de la pub pour tout le monde. Voilà, apparemment, voilà. C'est vraiment des soucis techniques. Hein. Je pense pas qu'on va en refaire une parce qu'ils ont l'air d'être déjà en train d'accord. De se. Hello. Est-ce qu'il a oui, Kouchas. Ouais, Kouchas. Donc du coup, ok, comme ça, peut-être bientôt commencer. Bon, bah, merci à Kawaimat et Capoué. On vous retrouve sans doute sur le truc, je suppose. Oui, eh ben, moi non. Ah bah, vendredi, il m'a juste demandé un coup de main, donc à moins d'un coup de main encore une fois. Si t'as d'autres runs qui t'intéressent, n'hésite pas à envoyer. Écoute, on verra bien. En tout cas, merci. On n'oublie pas, on bourre les dons parce que c'est pour la bonne cause. À plus tard, les gens. À plus tard, salut. Merci des à toi. Bisous. Et à plus, Kawaii, pour d'autres commentaires, je crois. Oui, c'est ça. Vendredi soir, Kilicarus, Mario Land 3. Voilà, on se reverra. Écoute, Chas, bah, je te laisse la place.